Salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une astuce pour les coachs et pour les entraîneurs, c'est tout simplement la position du panier. Où est-ce qu'il doit être placé par rapport à vous? Alors déjà, vérifiez bien que si vous êtes droitier et que vous prenez les balles de la main gauche, vérifiez que le panier est bien sur votre gauche, hein, ça arrive des fois le panier sur la droite et du coup c'est pas du tout pratique pour prendre les balles. Ensuite, donc l'astuce que j'aimerais vous donner, c'est tout simplement de mettre le panier derrière vous plutôt que sur le côté. Et je vais vous argumenter pourquoi. Sur le côté, c'est quand même plus pratique parce qu'on peut prendre les balles, mais l'objectif de l'avoir derrière, c'est tout simplement d'avoir une meilleure communication avec le joueur. Lors d'une communication avec quelqu'un, l'idée c'est qu'il y ait de moins d'obstacles possibles entre nous. Déjà, il y a le filet. Si en plus vous rajoutez le panier devant vous, je trouve que c'est moins bien au niveau de la communication. Donc sur la côté, c'est bien. Et derrière, c'est encore mieux. Vous êtes carrément avec le joueur. Il oublie qu'il y a le panier. Vous êtes vraiment en communication directe avec lui. Et je trouve ça bien mieux. J'en profite pour cette vidéo. Vous êtes là et que vous m'écoutez pour faire un petit bonus. Où vous placez par rapport au terrain. Donc ça, c'est assez facile. Plus vous êtes proche, plus vous allez pouvoir donner des balles faciles. Il y aura moins de lecture de trajectoire. Donc c'est souvent pour les gens qui débutent, qui ont beaucoup de mal sur la lecture trajectoire de balle, ou sur les gens qui sont en train de travailler un nouveau geste. Donc quand vous faites un nouveau geste et vous avez besoin de répéter le geste un grand nombre de fois, si en plus vous êtes à chaque fois mal placé, vous n'allez pas pouvoir répéter un grand nombre de fois. Donc l'idée, c'est que ce soit vraiment facile. À l'inverse, plus vous allez reculer et plus vous allez vous placer au fond de court, plus la situation sera réaliste par rapport à un vrai match où les joueurs s'envoient la balle fond. Donc ayez toujours ça en tête quand vous placez votre panier, de toujours vous justifier. Pourquoi est-ce que vous mettez à tel endroit précisément? Est-ce que c'est pour faciliter? Est-ce que c'est pour que ce soit justifiable pour des conditions réalistes? Donc n'oubliez jamais de vous justifier. Si jamais vous passez le monitorat de tennis, on va vous demander de tout justifier, tout ce que vous faites. Donc ça me paraît hyper important d'avoir toujours une raison. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on se met là précisément et pas à un autre endroit? Voilà, donc j'espère que cette astuce vous aura été utile. Donc si c'est le cas, merci de me le dire, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas d'aller voir mon blog mauricefaitdutennis.com. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce. Et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.